Merci de m'applaudir alors que je suis sûre que vous ne savez pas qui je suis. Je m'appelle Marie-Odile Monchicourt, je suis journaliste scientifique de profession. Et ce que nous allons voir ce soir est le résultat d'une réflexion que je me suis faite à travers mon métier de journaliste scientifique. Comment faire comprendre au public que nous sommes en train de vivre des moments absolument extraordinaires dans le domaine de la recherche fondamentale. Or, cette recherche fondamentale, elle est assez difficile pour la compréhension de pour notre imaginaire, parce que cette recherche fondamentale fait appel à des lois de la physique qui nous dépassent totalement. Donc, avec un physicien qui s'appelle Michel Spiro, qui est physicien des particules, qui était président du conseil du CERN, vous savez, le grand accélérateur de particules, qui se trouve à la frontière de la Suisse et de la France, où on fait des expériences extraordinaires sur les particules élémentaires. Je lui ai dit, je pense qu'il n'y a qu'un seul moyen pour que le public puisse prendre possession de toute cette recherche extraordinaire, même s'ils ne comprennent pas, mais au moins qu'ils puissent ressentir ce que ça représente, il n'y a que le spectacle. Donc cela fait 5 ans que nous nous sommes lancés dans cette expérience, et il y avait une condition, c'était que les chercheurs viennent sur scène eux-mêmes nous raconter leur passion, parce qu'ils sont, fascinés eux-mêmes par ce qu'ils trouvent. Et moi, je voulais que ce soit eux-mêmes qui viennent nous faire partager cette fascination pour cette compréhension qu'ils cherchent à laquelle ils cherchent à accéder tous les jours à travers leur laboratoire, les théoriciens comme les expérimentateurs. Alors le spectacle, et ben voilà, ça fait 5 ans que nous tentons cette aventure, qui est une véritable aventure, parce que nous demandons aux scientifiques de monter sur scène, ceux qui mettent sur scène comme s'ils étaient des artistes eux-mêmes, et ils sont entourés d'artistes qui enchantent, si je puis dire, leur discours. Donc le spectacle auquel vous allez assister ce soir est une première, car chaque Labo Origins est une expérience en soi. Vous allez assister à une expérience en live. Cette expérience, c'est comment la science peut vous toucher au cœur, pas uniquement à l'esprit. Voilà, c'est ça le BD Labo Origins. Alors, le Théâtre de la Lanterne a pris connaissance de ces Labos Origins et m'a demandé si nous pouvions, dans le cadre du mois de la science, organiser un Labo Origins sur le thème science et cinéma. Donc je leur ai répondu, mais au contraire, c'est un sujet absolument magnifique, et nous avons un physicien particulièrement compétent en ce domaine, qui s'appelle Roland Lehoucq, et qui, lui, justement, est passionné par la science-fiction et se sert de la science-fiction pour nous enseigner toute la physique qu'il y a derrière tout ça, si c'est possible, pas possible, si ça peut nous arriver quand on voit un film de science-fiction. Donc je voudrais remercier le Théâtre de la Lanterne de nous avoir donné l'occasion de faire cette création ce soir, qui, j'espère, vous fera plaisir. Mais moi, je vais découvrir ce spectacle comme vous, avec vous, ensemble, puisque c'est du live. Voilà. Et puis, alors, je voudrais aussi remercier le Théâtre de la Lanterne, le pôle culturel de Rambouillet, qui m'a quand même fait marraine de ce mois de la science. Personne ne le sait, mais ça fait rien, ça me fait plaisir de le rappeler.
n'a jamais rêvé d'aller dans l'espace. Cela ne semble pas si difficile après tout. Vu de Rambouillet, c'est à peine plus loin que Paris. Une centaine de kilomètres à peu près. 100 kilomètres vers le haut. 100 kilomètres contre la pesanteur de la Terre, une force faible mais têtue qui nous tire vers son centre et nous colle à sa surface. Cette difficulté, nous la sentons dans notre corps, n'a pourtant pas empêché rêveurs, poètes, scientifiques, d'imaginer de voyager dans l'espace bien avant qu'on soit capable de le faire. Et le premier des voyages fut bien sûr celui vers la Lune. Le premier voyage vers la Lune, de la littérature et de l'histoire, fut conté en grec par Lucien, un rhéteur né à Samosate, une province de l'actuelle Syrie. Son histoire véritable est une satire où il se moque des récits de voyage des géographes de son temps. Il les moque pour avoir présenté comme véridiques des récits extravagants, en abusant de la crédulité de leur public. Et dans son texte, Lucien cultive lui aussi l'invraisemblance, en feignant le contraire, bien sûr. Et il envoie ses personnages vers la Lune à bord d'un bateau soulevé par les flots lors d'une tempête particulièrement intense. L'objectif du songe, un texte que publie l'astronome lyonnaise Kepler en 1634, est tout autre que celui de Lucien. Kepler est un tenant de l'hypothèse copernicienne, selon laquelle le Soleil est au centre de l'univers et les planètes orbitent autour de lui. Il veut présenter au public cette idée nouvelle, mais d'un point de vue extérieur, extérieur à la Terre. De fait, dans le songe, il propose une expérience de pensée unique, une manière de proto-science-fiction dans laquelle il décrit comment un voyageur hypothétique allant sur la Lune verrait notre système solaire. Et pour s'y rendre, ce voyageur utilise le pouvoir de démons qui ont la capacité à se faufiler de la Terre à la Lune par des secrets, par des chemins connus d'eux seuls. Siècle encore, Cyrano de Bergerac publie une critique sociale, morale et politique de la société de son temps, intitulée « Histoire comique des États et empires de la Lune ». Il y expose cinq façons différentes de se rendre sur la Lune, toutes plus extravagantes les unes que les autres. L'une d'elles consiste à prendre des aimants, à les jeter devant soi en gardant dans sa poche des aimants. Les aimants se tirant les uns les autres, vous êtes petit à petit attirés les uns avec les autres, à petit vous montez vers la Lune, vous êtes emportés vers la Lune. Autre méthode, coudre sur son habit des fioles remplies de rosée qui vous élèveront dans l'espace au moment où le soleil se lève. Dans ses œuvres, évidemment, nulle volonté de réalisme. Il s'agit plutôt d'une opération de décentrement. Il est question de changer de lieu pour mieux appréhender notre monde d'un autre point de vue. Du point de vue de Sirius, on dirait, dans le Micromégas de Voltaire. Le 19e siècle est celui des ingénieurs, de la révolution industrielle, du triomphe de la science. Il n'est plus question d'atteindre la Lune à dos de démons ou en montant des haricots géants. L'expédition lunaire doit être organisée scientifiquement. Tout le savoir des ingénieurs est mobilisé pour organiser la chose, et dans son De la Terre à la Lune, Jules Verne expédie ses personnages vers la Lune par le truchement d'un obus propulsé par un canon géant. Alors pourquoi un canon? Et que faut-il faire en réalité pour aller sur la Lune?
Eh bien, nous avons dit tout à l'heure qu'il fallait monter vers le haut contre la force de pesanteur de la Terre, et nous savons cette difficulté de s'élever vers le haut en manipulant une simple balle ou simplement en sautant. On jette la balle en l'air, elle s'élève, elle ralentit, sa vitesse s'annule, elle retombe. On la jette plus fort, elle monte plus haut. La relation qu'il y a entre la hauteur et la vitesse à laquelle la balle a été éjectée a été calculée au XVIIIe siècle par Pierre Simon de Laplace, un mathématicien, un physicien de l'époque. Et il montra que lancer la balle deux fois plus vite l'expédie deux fois plus haut, quatre fois plus haut, excusez-moi. Il est même possible de calculer la vitesse à partir de laquelle la balle ne retomberait plus. Sur Terre, cette vitesse est de 11,2 km par seconde, 11 200 mètres par seconde, 40 000 km par heure. Si la balle est expédiée verticalement à cette vitesse considérable, elle ne retombera plus sur Terre et peut-être avons-nous là le moyen d'atteindre la Lune. Si je la jette si fort, elle va retomber, du moins l'espère, sur la Lune. Avant ça, nous verrons qu'il y a bien des étapes à franchir. Newton lui-même avait imaginé cette histoire de canon et de boulet, non pas pour l'expédier vers la Lune, mais pour comprendre la gravité. Il imagina une expérience où l'on plaçait un canon au sommet d'une montagne et qui tire un boulet horizontalement. Plus le coup est puissant, plus le boulet va loin. Cela paraît logique. Un petit canon, une petite quantité de poudre expédiera un boulet à petite distance. Augmentant la quantité de poudre, augmentant la force du boulet, la force imprimée au boulet, la vitesse imprimée au boulet, il ira plus loin. Ce qu'a imaginé Newton, c'est qu'il existe une vitesse à partir de laquelle le boulet ne retombe plus sur Terre. Ah, mais il ne va pas à l'infini, il ne s'éloigne pas indéfiniment de la Terre, il ne retombe plus, mais il fait le tour de la Terre et revient à son point de départ après avoir bouclé un cercle, une orbite, dirions-nous maintenant, autour de la Terre. Cette vitesse est de 8000 mètres par seconde. En fait, ça se comprend en réalisant qu'en une seconde, une pierre, un boulet, tombe de 5 mètres. Le boulet, en avançant horizontalement, s'éloigne de la Terre qui est courbée. À 8000 mètres par seconde, il s'éloigne de 5 mètres d'altitude chaque seconde. Un boulet lancé à 8000 mètres par seconde s'éloigne chaque seconde de 5 mètres de la surface de la Terre qui est courbée et tombe vers cette surface de 5 mètres sous l'effet de la pesanteur. Il se retrouve à avoir une trajectoire circulaire. Alors nous, les trajectoires circulaires, c'est intéressant si on veut mettre quelque chose en orbite autour de la Terre, mais nous, on est intéressés à aller vers la Lune, beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. L'idée du canon que Jules Verne promeut dans son roman, un canon qui tire verticalement cette fois-ci, en tout cas dans une direction plutôt verticale qu'horizontale, est mise en scène en 1902 par Méliès dans un film intitulé « Le voyage dans la Lune », le premier film de science-fiction du cinéma. C'est une fiction burlesque de 13 minutes qui met en scène la première expédition humaine sur la Lune où on croise de curieux sélénites qui sont en fait des acrobates des Folies Bergères. Ce film est un succès mondial. Et regardez comment ils sont expédiés vers la Lune. Les personnages montent dans l'obus. Ça ressemble tout à fait à ce que décrit Jules Verne. Les danseuses des Folies Bergères vont pousser l'obus, vont charger le canon avec l'obus. L'obus est parti.
arrivée célèbre cet obus sur la Lune. Alors, comment est propulsé l'obus dans le canon ? On allume la mèche, la flamme se propage sur la mèche, atteint la poudre, allume la poudre est en combustion, c'est une réaction chimique de combustion de la poudre avec le dioxygène de l'air. Cette combustion est extrêmement rapide et dégage une quantité considérable de gaz. Ce gaz s'accumule derrière l'obus, le gaz est comprimé, et quand la pression devient trop importante, il pousse l'obus à grande vitesse vers l'extérieur. Pour que l'obus parte à une vitesse suffisante pour atteindre la Lune, il faut que la poussée dure longtemps, il faut donc un long canon, et que la pression s'exerce sur une grande surface, donc il faut un obus de fort calibre. On a imaginé déjà des canons pour mettre en orbite des charges utiles sur Terre. C'est le projet HARP américain. Le canon faisait 36 mètres de long et 41 cm de diamètre. Alors l'inconvénient pour les passagers d'utiliser un tel dispositif, c'est que faire passer un obus de la vitesse nulle, 0 mètre par seconde, à la vitesse de libération de la Terre, 11 200 mètres par seconde, en une fraction de seconde, suppose une accélération considérable. Une accélération que l'on peut estimer à 10 000 fois supérieure à l'accélération de la pesanteur terrestre, celle qui me colle au sol. 10 000 fois supérieure, cela veut dire que les passagers subissent à l'intérieur de l'obus un poids synthétique, un poids artificiel équivalent à 10 000 fois le poids qu'ils ont sur Terre. Un homme de 70 kg se retrouve à avoir la sensation de peser 700 tonnes. Inutile de vous dire qu'avec une telle accélération et une légère compression qui se fait sur le fond de l'obus, les humains se retrouvent en couche monomoléculaire, rougeâtre, et évidemment avec des problèmes à l'arrivée, et même dès le départ en réalité. Donc si le coût du canon semble pertinent pour envoyer des charges à grande vitesse et peut-être atteindre la vitesse de libération et envoyer des charges vers la Lune ou dans l'espace lointain, elle n'est pas adaptée aux passagers. Et peut-être même d'ailleurs, les accélérations étant si importantes, peut-être même d'ailleurs au matériel qu'elle contient. Une autre façon d'aller vers l'espace et donc vers la Lune est d'utiliser une fusée. En fait, ce moyen a été conçu et théorisé par un Russe, Konstantin Tsiolkovsky, à la toute fin du 19e siècle. Et en 1903, il publie un ouvrage visionnaire qui s'appelle « L'exploration de l'espace cosmique par des engins à réaction ». Des engins à réaction. La fusée fonctionne sur le principe de l'action et de la réaction qui a été énoncé par Newton 3 siècles plus tôt. Vous le connaissez tous, ce principe de l'action et de la réaction. Dans cette pièce, tout le monde a déjà joué avec un ballon de Brodeuruche. On le gonfle, on le remplit d'air sous pression, pression qui est exercée par la paroi latérale du ballon, et quand on libère l'orifice du ballon, il décolle, il s'envole. Pas bien haut, mais il s'envole sous l'effet de l'air éjecté par la pression interne, masse d'air éjecté, qui en réaction pousse le ballon dans la direction opposée. Cela se produit évidemment avec un canon, au moment du tir, avec un fusil, au moment du tir, et avec une fusée qui, en éjectant à l'arrière une grande quantité de gaz à grande vitesse, subit vers l'avant une poussée, une accélération qui peut-être lui fera atteindre la vitesse désirée. Ce principe de l'action et la réaction est magnifiquement mis en scène dans un dessin animé de Woody Woodpecker, inclus dans un film de science-fiction de 1950 réalisé par Amy Pichel qui s'appelle Destination Moon. Dans ce film est narrée l'aventure lunaire, le premier voyage lunaire. Il faut financer la fusée. Et il faut convaincre les banquiers de prêter l'argent pour fabriquer, concevoir la fusée et l'expédier. Pour les convaincre, il faut leur expliquer comment fonctionne une fusée. Et pour les convaincre efficacement, on utilise un dessin animé de Woody Woodpecker. Comic book stuff, eh? Life magazine doesn't think so. Alors au début, le Woodpecker n'est pas très... Or Colliers?
magazines. Or your biggest daily newspapers. It'll never get off the ground. No propellers. Rockets do not employ propellers. They use jets. So do gas stoves. But they don't fly to the moon. Voilà les banquiers à convaincre que l'on fait rire avec une blague sur les avions réaction ne vont pas vers la Lune. Now, let's pretend that umbrella of yours is a shotgun. Shoot it. Le recul, quand la balle part, le fusil recule. Who pushed me? The gun, Woody. The charge not only fired out of the muzzle, it kicked back with equal force against the barrel. Wouldn't happen again 100 times. Shoot it at the ground a few times in rapid succession and see what happens. That same principle applies to rockets. It is the same shotgun kick of the explosives that throws the rocket forward. That kick is quite independent of the air around the rocket. It works just as well in a vacuum or in outer space, which is a vacuum. Très belle pédagogie. La fusée, c'est une manière de canon qui tire, non pas, c'est pas l'obus qui va vers la Lune, c'est le canon qui va vers la Lune en tirant des obus vers l'arrière régulièrement. Suffisamment régulièrement pour qu'en fait ce soit un jet de gaz continu qui est éjecté à grande quantité, à grande vitesse de l'arrière de la fusée. L'idée étant d'imprimer, d'atteindre la vitesse petit à petit par une accélération plus faible mais plus régulière, qui permet d'atteindre la vitesse requise tout en préservant les passagers. Alors que dans un canon, on l'a vu, les voyageurs sont écrabouillés. Alors, comment fonctionne la propulsion d'une fusée classique ? Eh bien finalement, c'est à la manière d'un canon. Un canon à l'envers, cette fois-ci, c'est le canon, le projectile, et c'est le projectile qui sert à pousser le canon. Et donc, il y a une réaction de combustion dans les fusées modernes, du dihydrogène, du dioxygène, qui sont mélangés, qui brûle, qui forme de l'eau, la vapeur d'eau, en dégageant une grande quantité d'énergie. Et cette grande quantité d'énergie chauffe le gaz qui est guidé, éjecté par les tuyères à grande quantité et à grande vitesse, plusieurs kilomètres par seconde. Et la fusée, petit à petit, monte, accélère et grimpe vers l'espace. Dans Destination Moon, on a autre chose. Dans Destination Moon, on nous décrit la fusée, bien sûr. Il faut aussi convaincre les financeurs en leur montrant l'intérieur de la fusée. Et c'est ce que l'on voit dans l'extrait suivant. Here's the control room. All this space below carries the working fluid, the reaction mass. It's water heated to dry steam by the atomic pile and expelled through this jet. Donc là, une pile atomique éjectée de la vapeur d'eau. Here are the gyros behind the water tanks, and they can be used to turn the ship to any desired attitude. Là, dans Destination Moon, la fusée est une fusée atomique, on devrait dire nucléaire, qui utilise l'énergie du cœur des atomes pour chauffer de l'eau, on nous dit dans le film, pour chauffer de l'eau, la transformer en vapeur très chaude, très rapide, éjectée par les tuyères. Si vous avez lu Tintin, vous vous rappelez que la fusée de Tournesol, qui envoie toute l'équipe, vers la Lune, dans les albums lunaires de Hergé, est aussi une fusée atomique, une fusée qui fonctionne avec un réacteur nucléaire. C'est normal, Hergé s'est considérablement inspiré de Destination Moon pour son histoire. L'idée d'utiliser l'énergie nucléaire pour les fusées n'est pas nouvelle. Dans les années 50, la NASA commence à envisager de faire des fusées à propulsion nucléaire. Ça va durer la réflexion une vingtaine d'années, jusqu'en 1972, où le projet sera abandonné, faute de crédit, après les grands succès des missions Apollo et surtout les coupures de crédit qui succèdent, qui suivent la fin du programme Apollo. Maintenant, il y a très peu d'agences spatiales qui se vantent, ou en tout cas qui prétendent réfléchir à des fusées nucléaires. C'est l'acceptabilité sociale d'une fusée à propulsion nucléaire serait tout à fait difficile à faire admettre. Alors maintenant, on a compris l'idée, on veut aller vers la Lune, il faut aller assez vite, 11,2 km par seconde, pour se libérer de l'attraction de la Terre, pour se libérer ou pour s'éloigner de la Terre sans y retomber. Mais comment faire, une fois qu'on est capable de faire ça avec sa fusée? Comment viser? Est-ce qu'on fait comme Méliès? On vise la Lune, on tire? Oui, mais le temps que la fusée arrive, la Lune se sera déplacée, on va la rater. Alors, comment faire? Dans un film de 1929,
de Fritz Lang, Frau Wimond, une femme dans la Lune, on montre explicitement la trajectoire de la fusée. Regardez. La Terre, la Lune, 384 000 km, c'est un film muet. Voici tracées les lignes du champ gravitationnel de la Terre, les lignes du champ gravitationnel de la Lune, une limite de zone, une zone sans gravité, et la trajectoire curieuse de la fusée en forme de 8 qui passe, qui se croise à cette zone qui s'appelle Schwerfreie Zone, cette zone sans gravité. Et la vitesse nécessaire au décollage, 11 200 mètres par seconde, cette vitesse maintenant, vous la connaissez bien. Vous voyez cette trajectoire en 8, très curieuse, c'est pas du tout celle qu'on aurait pu imaginer. On aurait dit, bon, la Lune bouge, la Terre tourne, je vise un peu à côté, et hop, j'y vais tranquillement. Eh bien non, la trajectoire optimum pour atteindre la Lune est une trajectoire en forme de 8, et il y a de bonnes raisons à cela, c'est une trajectoire réelle. Ce qui est étonnant, c'est que c'est pas une trajectoire du film, c'est aussi la trajectoire qu'ont suivi les missions Apollo. Le point de croisement, c'est un point particulier, c'est un point Schwerfreie Zone, la zone sans pesanteur. C'est l'endroit où Jules Verne, dans son histoire, fait se retourner la gravité dans l'obus. Les passagers étaient assis tranquillement pendant la première partie du voyage, et puis ensuite, ils flottent dans la capsule, et après, ils s'assiedent de l'autre côté, du côté opposé, comme s'ils passaient de la gravité de la Terre à la gravité de la Lune, par un point d'équilibre entre la gravité de la Terre et la gravité de la Lune. En fait, il est plus pratique d'analyser la trajectoire dans le référentiel de la Terre et où la Terre et la Lune sont fixes. La Lune tourne autour de la Terre, on peut imaginer le référentiel du manège Terre-Lune, celui où toutes les deux sont fixes. Et dans ce référentiel, il existe un point particulier qui a été calculé par Lagrange, Joseph-Louis Lagrange, au XVIIIe siècle, un point particulier où se compense exactement l'attraction de la Terre, l'attraction de la Lune et la force centrifuge. N'oubliez pas, vous êtes dans le manège qui tourne avec la Terre et la Lune. À cet endroit, c'est un col dans le paysage gravitationnel Terre-Lune. Il y a la Terre avec son puits de potentiel, son puits de pesanteur, son puits gravitationnel dont il faut s'extraire, 11 200 mètres par seconde. Il y a la Lune avec un puits de potentiel plus petit, parce qu'elle est plus légère et plus petite. Et entre les deux, une trajectoire à trouver en passant par l'endroit le plus pratique. L'endroit le plus pratique, c'est ce point de Lagrange entre la Terre et la Lune, une manière de col dans ce paysage vallonné, gravitationnellement vallonné, qui sépare la Terre de la Lune. Et comme ce point col n'est pas dans le paysage lointain, on ne cherche pas à aller en fait à l'infini, on ne cherche pas à se libérer définitivement de l'attraction de la Terre, on cherche simplement à changer, à passer du puits de la Terre au puits de la Lune. Il faut passer par ce col et on peut montrer que la vitesse à atteindre est en fait un peu inférieure à 11 200 mètres par seconde. Alors si le film Frau Wimond est si précis, si détaillé, c'est qu'en fait il a bénéficié des conseils de Hermann Oberth, un des pionniers allemands de l'astronautique. D'autres pionniers quand même à nommer Robert Goddard aux États-Unis et un qu'on oublie souvent, Robert Reynaud Pelletery en France. Son vaisseau, le Free 2, le vaisseau du film, excusez-moi, le Free 2, s'inspire directement du modèle E qu'avait imaginé, qu'avait conçu Hermann Oberth et qu'il avait décrit dans un livre qui s'appelle Wege zum Raumschifffahrt, les voies de la navigation spatiale, publié en 1929. 1903, le livre de Tchaïkovski. 26 ans plus tard, un livre qui décrit complètement une mission lunaire dans les grands détails. On a déjà tout compris de la façon dont on peut atteindre la Lune 40 ans avant sa réalisation pratique. Alors, la fusée est prête, votre trajectoire est claire, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à faire décoller la fusée. Alors là encore, c'est toute une affaire, faire décoller la fusée. Comment on fait décoller la fusée? On pourrait dire, elle est prête, elle est construite, on appuie sur le bouton, c'est parti. Eh bien non, regardez comment ça se passe, le décollage d'abord, la scène du décollage, dans Frau Wimond. Regardez le grand hangar qui ressemble étonnamment au VAB, le véhicule assemblé building de la NASA, où étaient assemblées les grandes fusées lunaires. Une fusée immense qui est exactement
le modèle E qu'avait imaginé Hermann Oberth, qui sort lentement du hangar, qui est construite dans le hangar et qui est extraite du hangar sur un chariot à roues, sur des rails. Ça ressemble étonnamment aux procédés russes qui mettent leurs fusées sur des rails, aux Américains qui utilisent une grande structure qui s'appelle le crawler, un énorme engin qui transporte la fusée depuis la base de montage, depuis le hall de montage jusqu'au pas de tir, et les humains minuscules qui regardent passer ce monstre d'acier qui va atteindre la Lune. Et Fritz Lang ajoute sa touche personnelle à cette vision qui est exactement ce qu'on a pu constater ensuite dans la réalité des tirs de fusée, notamment des tirs de fusée lunaire. Il ajoute une touche personnelle. Je le cite. « Quand j'ai tourné le décollage de la fusée, je me disais, si je compte 1, 2, 3, 4, 10, 50, 100, le public ne sait pas quand le décollage aura lieu. Mais si je compte à rebours 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tout devient très clair. Et regardez. 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, et c'est parti. Et la fusée part vers la Lune. Quand vous voyez cette scène, vous dites, mais je l'ai déjà vu, enfin, je comprends pas, c'est un décollage normal. C'est le premier compte à rebours du cinéma. C'est même le premier compte à rebours tout court. Les comptes à rebours des agences spatiales modernes s'inspirent du compte à rebours que Fritz Lang a mis au point dans son film. Le compte à rebours des agences modernes, ça vient du cinéma de science-fiction de 1929. Ça, c'est vraiment étonnant, vraiment étonnant. Alors, bien sûr, les passagers qui sont à bord de la fusée subissent les conséquences du décollage. On l'a vu, la fusée doit accélérer considérablement pour atteindre sa vitesse de 11,2 km par seconde, 11,200 mètres par seconde, qui lui permet de s'extraire de la gravité de la Terre et d'aller vers la Lune. Mais les passagers subissent une accélération qui n'est pas négligeable, beaucoup moins importante bien sûr que celle dans le canon, qui les tue irrémédiablement, mais une accélération qui n'est pas négligeable. Et dans Frau Wimmont est représenté aussi les effets de l'accélération sur les passagers de la fusée. Le cadran qui indique la vitesse en kilomètres par seconde, cette vitesse qui augmente, la fusée accélère, regardez cette image magnifique, la fusée qui passe, qui fend l'espace, et les passagers qui ne sont pas tranquilles quand même, on sent que c'est dur pour eux. Effectivement, l'accélération, 40 mètres par seconde au carré, c'est 4 fois l'accélération de la pesanteur terrestre. Les passagers ont l'impression, une femme dans la Lune, les passagers ont l'impression de peser 4 fois la masse, le poids qu'ils ont habituellement. Alors évidemment, des passagers un peu plus anciens qui ont plus de mal. On a emmené un petit oiseau pour voir s'il subit les conséquences du décollage. La jeune femme semble aussi très oppressée par ce décollage. Les ressorts se tendent. Leur poids augmente, 4 fois le poids qu'ils ont sur Terre, les ressorts se tendent, les ressorts auxquels s'accrocher. Alors lui, il souffre particulièrement, on a l'impression. Seconde, 7 km par seconde, la fusée, ça augmente jusqu'à atteindre évidemment la fameuse vitesse de libération. Dans Destination Moon, qui est aussi un film très bien fait par beaucoup d'aspects, par bien des aspects, est aussi représenté les effets de l'accélération sur les passagers, de façon moins théâtrale, plus réaliste, sur cet extrait. 26, 25, 24, le compte à rebours, évidemment. 20, le compte 22, à rebours, mais 21, on sait d'où il vient maintenant. 20, 19, 8, la fusée, décidée par Chesley Monestel, un illustrateur de science-fiction de l'époque, grand illustrateur de l'époque. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Regardez-le bien, lui, vous allez voir tout à l'heure. La fusée décolle. C'est une fusée à la Tintin qui se pose verticalement. Pas une fusée comme les fusées qui ont réellement été sur la Lune. Les quantités de carburant qui sont dégagées, ou plutôt de combustible, enfin de matière.
matières qui sont éjectées et regardez les personnages qui s'enfoncent dans leur siège sous l'effet de l'accélération. Ils commencent à faire la tête. Et regardez les visages qui se tirent vers l'arrière. Ils pèsent lourd, leurs organes s'enfoncent, tout est le visage est déformé et ils subissent de plein fouet l'accélération considérable du décollage. Regardez-le lui, on l'a vu tout à l'heure qui faisait le compte à rebours, là il rigole plus. Il est vraiment... C'est tout à fait... Cette image est beaucoup plus réaliste. Je ne sais pas comment ils ont réussi à déformer les visages comme ça. Ils doivent être vraiment des comiques, je ne sais pas. Dans les accélérateurs, dans les centrifugeuses qui sont utilisées pour entraîner les astronautes, on voit tout à fait, ils sont filmés, et on voit tout à fait le visage qui se déforme, toutes les chairs qui partent sur le côté. Ça doit être assez difficile de subir cette accélération pendant les 3 minutes que dure la phase d'accélération de la fusée. Alors bien sûr, on a réussi à aller finalement dans la Lune, sur la Lune plus exactement. En 2019, on fêtera le 50e anniversaire de la mission Apollo 11, la première mission où un humain a pu poser, Neil Armstrong a pu poser un pied sur la Lune. Et regardez la vidéo du décollage d'une fusée Saturne V, ces fusées qui ont emporté les missions Apollo sur la Lune. La fusée est libérée, il tombe des choses, il neige, vous allez voir pourquoi il neige, je vais vous dire ça. Et là, il y a le compte à rebours, hein. 4, 3, 2, 1, et là on dit plus « yet », on dit « ignition and lift off », et la fusée décolle, quand c'est en anglais, et la fusée décolle, et regardez l'impression de puissance qui se dégage des 5 moteurs F1, de la fusée Saturn 5, 5 moteurs. S'il tombe cette neige, c'est de la neige, on monte de la glace, hein, c'est parce que le carburant d'oxygène, d'hydrogène liquide est à une température de moins de 100 degrés Celsius, et donc l'humidité de l'atmosphère gèle à la surface des réacteurs, à la surface des réservoirs. On voit les fuites de dioxygène et de d'hydrogène. Les 5 réacteurs F1 consomment 20 tonnes de carburant par seconde. Vous imaginez, 20 tonnes par seconde. Ils produisent une puissance équivalente à celle de 166 réacteurs nucléaires combinés. Le simple premier étage de la fusée Saturn V produit l'équivalent de la puissance produite par 166 réacteurs nucléaires. C'est la machine unique en une seule pièce, la machine la plus puissante jamais fabriquée par l'homme. Regardez, 300 mètres de haut, regardez la longueur de la flamme et la longueur des gaz éjectés. Vous voyez, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire, une machine vraiment, vraiment incroyable. Et le plus étonnant, c'est qu'on ne sait plus aujourd'hui envoyer d'humains sur la Lune. Thank you.
je crois que Danae vient de vous montrer qu'il n'y a pas besoin de fusée pour défier la gravité et qu'à défaut qu'elle puisse elle-même aller dans l'espace ou sur la Lune, je crois qu'elle nous y a envoyé avec son évolution. Alors après le voyage vers la Lune, la deuxième étape, c'est le voyage vers les étoiles. Dans le système solaire, bien sûr, ça reste quand même une banlieue de la Terre, malgré tout, pas facile à atteindre, mais le voyage vraiment incroyable, c'est le voyage vers les étoiles. Et vis-à-vis du voyage interstellaire, nous sommes actuellement un peu dans la position des précurseurs du voyage vers la Lune. Parce que rien ne nous est inconnu, on sait exactement ce qu'il faut faire. On saurait presque le construire, disons que ça resterait comme une entreprise extrêmement difficile, mais une entreprise jouable. Il n'y a pas de technologie incroyable à inventer, il n'y a pas de physique nouvelle à inventer, tout est maîtrisé. On saurait le décrire, on saurait le faire, on saurait le penser. Mais on n'arrive toujours pas à le faire, ça reste pour l'instant un rêve inaccessible. Et si ce rêve est inaccessible, c'est sans doute en raison des distances considérables qui nous séparent des étoiles. Tout à l'heure, on l'a vu dans Frau Immonde, la distance de la Lune, 384 000 km. La lumière franchit cette distance en une seconde, un quart. Une seconde, un quart. La lumière franchit 300 000 km en une seconde. À peu près 7 fois et demi le tour de la Terre, l'équivalent de 7 fois et demi le tour de la Terre en une seconde. La lumière de la Lune met donc une seconde d'écart pour nous parvenir. La lumière du Soleil, qui est à 150 millions de kilomètres de la Terre, une unité astronomique, met 500 secondes pour nous parvenir. Si le Soleil s'éteignait d'un coup, sous l'effet d'un coup de baguette magique, nous ne nous en rendrions compte que 8 minutes et 20 secondes plus tard. 500 secondes, le temps que le dernier rayon lumineux nous parvienne. L'une des étoiles les plus proches du système solaire se nomme Alpha de la constellation du Centaure. Alpha, c'est la plus brillante de la constellation du Centaure, constellation qui est vue par les humains, mais depuis la Terre, cette étoile est la plus brillante de la constellation du Centaure. La lumière de cette étoile met 4 ans et 4 mois pour nous parvenir. Une seconde écart pour la Lune, 500 secondes pour le Soleil, 4 ans et 4 mois pour l'étoile, une des étoiles les plus proches. Cette étoile est 276 000 fois plus loin de la Terre que le Soleil. Si la distance Terre-Soleil était ramenée à 1 mètre, cette étoile est à 276 km. La sonde Voyager 1, envoyée par les humains en 1977, ça fait à peu près 42 ans qu'elle navigue dans l'espace et a franchi les limites du système solaire, elle est actuellement dans le milieu interstellaire, a franchi 143 unités astronomiques, 143 fois la distance Terre-Soleil. Elle a franchi les 143 premiers mètres de ses 276 km en 40 ans. À cette vitesse-là, si elle visait Alpha du Centaure, ce qui n'est pas le cas, elle mettrait 80 000 ans pour l'atteindre. 80 000 ans. Inutile de vous dire que le voyage interstellaire, avec des vitesses si faibles et des distances si considérables, est tout à fait irréalisable. Ce n'est pas une question du moteur, c'est avez-vous assez d'énergie pour propulser vos vaisseaux suffisamment vite ? 1000 fois plus vite au bas mot. Si le voyage dure actuellement, mettons, 80 000 ans, et pour qu'il dure une vie humaine, disons, 80 ans, eh bien il faut aller 1000 fois plus vite. Et aller 1000 fois plus vite, c'est disposer d'un million de fois plus d'énergie à mettre dans votre vaisseau. Un million de fois plus d'énergie. Le problème fondamental qui nous barre la route des étoiles n'est pas tant un problème technique, de moteur nucléaire, ou de moteur à antimatière, ou de moteur ci, ou de moteur là. C'est pas tant un problème de distance, c'en est un corrélativement, c'est un problème d'énergie. Avons-nous assez d'énergie à communiquer à nos vaisseaux pour franchir cette distance ? Alors imaginons, rêvons quand même, imaginons que l'on sache faire ça. Que se passerait-il ? Les scientifiques, les rêveurs, les auteurs de science-fiction et le cinéma ne s'étaient pas privés d'imaginer ce que serait ou ce que pourrait être un voyage interstellaire. Plusieurs effets vont devoir entrer en ligne de compte. Le premier, le plus connu sans doute, en tout cas le plus utilisé comme ressort narratif dans les films de science-fiction, c'est la dilatation des durées. Un phénomène qui est une conséquence de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, publiée en 1905, et qui stipule que la durée qui sépare deux événements dépend de l'observateur. Deux événements
je constate qu'ils sont séparés par une seconde. Quelqu'un qui se déplace par rapport à moi à grande vitesse, observant les deux mêmes événements, va les trouver séparés par une durée différente de la mienne. Un film de 1942, réalisé par André Svoboda, film français, 1942, pendant l'occupation, qui s'intitule « Croisière sidérale », joue sur cette dilatation des durées. Cette croisière sidérale met en œuvre des passagers qui vont faire un grand tour dans l'univers et vont profiter du décalage de durée entre la durée du voyage mesurée par la passager et la durée du voyage mesurée par les terrestres, qui pour échapper au percepteur, qui pour échapper à sa belle-mère, qui pour faire un beau voyage. C'est ce que nous montre cet décalage de durée, l'extrait suivant de Croisière sidérale. Je tiens d'abord à vous faire remarquer ces deux chronomètres. Le premier vous donne l'heure exacte du bord. Il est exactement 10h22. C'est-à-dire qu'il y a environ 5 heures que nous avons quitté la Terre. Le second cadran vous donne la mesure du temps tel qu'il se déroule sur la Terre. Oui, mesdames et messieurs, il y a environ 7 mois que notre voyage a commencé. 7 mois. 5 heures à bord, 7 mois sur Terre. Vous voyez le rapport, ce décalage. Il y a un facteur 1000, 7 mois, c'est à peu près 5000 heures. Il y a un facteur 1000. Les durées à bord sont 1000 fois plus petites que les durées mesurées sur Terre. Alors, comment comprendre cet effet? Alors, on va utiliser pour ça une horloge à lumière, une expérience de pensée fondée sur ce que j'appelle une horloge à lumière. Deux miroirs parfaitement réfléchissants, parfaitement parallèles et qui se font face. La lumière, événement 1, part du bas, se dirige vers le haut. Y est réfléchi et revient vers le bas. Tic, tac, tic, tac. Les deux événements qui nous intéressaient sont l'événement départ et l'événement retour en bas. Quelle est la durée qui sépare ces deux événements? J'ai l'horloge devant moi, elle est fixe par rapport à moi. Les deux miroirs sont séparés par une distance L. Eh bien, il faut, pour trouver la durée de l'aller-retour, diviser la distance de l'aller-retour, L plus L, diviser cette distance par la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Et on trouve évidemment, pour des miroirs de cette taille-là, des distances très petites. La lumière parcourt 30 cm en 1 milliardième de seconde. 30 cm en 1 milliardième de seconde. Alors maintenant, que se passe-t-il si l'horloge défile par rapport à moi? Cette horloge se déplace par rapport à moi. J'observe l'horloge à lumière, non plus accrochée à elle, en voyant la lumière faire des allers-retours, tic et tic et tac et tic et tac, mais elle se déplace. Tic et tac. Pourquoi je fais un geste sur le côté? Parce que je vois l'horloge se déplacer et qu'au fil de son déplacement, la lumière monte vers le miroir supérieur, mais moi je vois aussi l'horloge se déplacer et j'ai l'impression que la lumière se déplace en diagonale. Elle se réfléchit sur la partie supérieure, elle revient sur la partie inférieure du miroir. Les deux événements sont maintenant séparés par une certaine distance. Quand je regardais la lumière, l'horloge de lumière face à moi, fixe par rapport à moi, l'événement départ et l'événement retour se produisent au même endroit. Maintenant, l'événement départ et l'événement retour se produisent à des endroits différents. Quelle durée, moi qui vois passer l'horloge à lumière, vais-je mesurer pour tic et tac? Eh bien pareil, la distance parcourue par la lumière divisée par la vitesse de la lumière. Oui, encore la vitesse de la lumière, la même vitesse de la lumière que tout à l'heure. Parce que dans sa théorie de la relativité restreinte, Einstein fait l'hypothèse, qui a été vérifiée expérimentalement, que la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs. La vitesse de la lumière du spot qui m'éclaire, si je la mesure, en restant fixe par rapport au spot, 300 000 km par seconde. Si je me déplace par rapport au spot et que je remesure la vitesse de la lumière émise par le spot, je retrouve 300 000 km par seconde. Dans le cas de mon horloge à lumière qui se déplace, je vois donc la lumière faire une longueur L', différente de la longueur qui sépare les deux miroirs. Une longueur L' supérieure à la longueur L. C'est la diagonale d'un triangle rectangle. Vous vous rappelez tous du théorème de Pythagore, bien sûr. Cette diagonale, elle est plus grande que l'un des côtés. Ça suffit.
Et donc, la diagonale plus la diagonale divisée par la vitesse de la lumière, ça fait une durée plus grande que la durée précédente, différente et plus grande. La durée qui sépare deux événements, l'événement départ de la lumière de l'événement retour de la lumière sur le miroir inférieur, la durée qui sépare ces deux événements est différente selon que je considère l'horloge fixe par rapport à moi ou l'horloge mobile par rapport à moi. Et cette dilatation des durées est à la base de ce qui a été appelé l'expérience de pensée des jumeaux de Langevin, deux humains jumeaux parfaits qui ont exactement le même âge à un quart d'heure près de leur naissance. L'un reste sur Terre, l'autre monte dans une fusée très rapide, fait un grand voyage dans l'univers et revient. Le jumeau qui est resté sur Terre mesure un voyage qui a duré 30 ans. Le jumeau qui est parti, lui, avec son horloge de bord, a mesuré une durée de voyage, par exemple, de 5 ans. Il revient, il est plus jeune que son frère. Ce phénomène donc de dilatation des durées, qui est vérifié expérimentalement avec une grande précision, ne se manifeste pas à nos yeux habituellement, à nos sens habituellement. Les durées mises en jeu sont microscopiques avec les vitesses habituelles, inférieures au milliardième de seconde, ce qui fait que pour nous, il semble que toutes les durées soient les mêmes et qu'il existe un temps commun à tout le monde. Et voilà la formule qui lie la durée propre, la durée dans le référentiel de l'horloge, à la durée vue depuis un observateur qui voit l'horloge bouger. 1 divisé par la racine carrée de 1 moins V sur C au carré, et pas V sur 2 au carré. Petite erreur, attention, les artistes, ils en font des fois qu'à leur tête, il faut surveiller. Ah, voilà, C, la vitesse de la lumière, V, la vitesse relative entre l'observateur et l'horloge à lumière. Tout ça, ça se calcule. Tout ça, ça se calcule, bien sûr. La théorie d'Einstein de la relativité est pleine d'équations. Et de façon assez étonnante et assez rare pour être notée au cinéma, dans Croisière sidérale, on a un aperçu de ces équations. Je vous laisse découvrir. François, je crois que j'y suis. Je crois que j'ai compris. Oh, si c'est vrai, c'est à n'y pas croire. Tu comprends, votre ballon a passé 2 semaines hors du monde terrestre. Sans vous avez vécu 2 semaines dans le monde sidéral. Je ne comprends pas. Mais si tu vas comprendre, chérie, c'est très clair. Enfin, vous êtes monté, puis vous êtes redescendu. Oui. Mais pendant ce temps-là, vous avez changé de système de référence. En somme, vous avez vécu 2 semaines dans un autre temps. Les formules de Lorentz ? Oui, les formules de Lorentz. Les équations de Lorentz s'appliquent intégralement. Oh, ça c'est magnifique. 25 années. Mais tu comprends, votre ballon est allé si vite et si loin que vous êtes sorti du système solaire. Alors vous avez passé là-haut 2 semaines. 2 semaines pour vous. Mais pendant ce temps-là, notre pauvre Terre a vieilli, elle, de 25 années. Et ton pauvre mari, lui aussi, a vieilli de 25 années. Voilà, il est d'abord un peu enthousiasmé par la science. Les formules de Lorentz qui sont écrites sur le tableau sont parfaitement justes. Ce sont exactement les bonnes formules qui lient les coordonnées spatio-temporelles à bord de la fusée des coordonnées spatio-temporelles sur Terre. Et le mari réalise que sa femme, qui a mesuré une durée de voyage dans son vaisseau très rapide, de 15 jours, mais pour lui, c'est écoulé 25 ans. Et ensuite, c'est le mari qui va monter dans le vaisseau et la jeune femme qui reste sur Terre pour qu'elle vieillisse aussi de 25 ans et que s'étant mariés à une vingtaine d'années, ils se retrouvent tous les deux à 45 ans en ayant passé une journée ensemble depuis. Donc ça, c'est un peu... La science, c'est grandiose. Ah ben non, finalement, non. Bon, il y a toujours un mauvais côté des choses, il y a toujours un côté obscur des choses. Une autre petite remarque, ce film tourné sur l'occupation, on fait référence aux équations de Lorentz et pas à la théorie d'Einstein, hein, qui est une théorie qui est de la physique juive. Il n'est pas question qu'on en parle avec la censure qui règne à l'époque en France sous l'occupation. Formule de Lorentz qui porte le nom de formule de Lorentz quand même, effectivement. Ce que l'on constate finalement, c'est qu'il est possible de voyager dans le futur de quelqu'un. Il suffit pour ça de monter dans une fusée extrêmement rapide et de revenir sur Terre. Les durées mesurées ne sont pas les mêmes, car les trajectoires spatio-temporelles sont différentes. La trajectoire spatio-temporelle de celui qui est resté sur Terre et de celui qui a fait ce grand voyage. Ces deux trajectoires ne sont pas les mêmes, et la longueur de cette trajectoire sont mesurées par la durée qu'il a fallu pour la durée propre qu'il a fallu pour les suivre. On peut voyager dans le futur de quelqu'un. Et c'est un ressort narratif, évidemment, extrêmement fort, et donc on retrouve ça dans de nombreuses œuvres de fiction, au cinéma et littéraire. Deuxième effet d'une grande vitesse relative entre des observateurs différents, deuxième conséquence de la relativité restreinte, l'effet Doppler-Fizeau.
La couleur d'une source de lumière dépend de la vitesse relative que vous avez par rapport à elle. Si cette source de lumière se dirige vers vous, ou vous vers elle, vous la voyez plus bleue, vous la verrez plus bleue qu'elle n'est en réalité. Si la source de lumière s'éloigne de vous, ou vous éloignez d'elle, vous la verrez plus rouge qu'elle n'est en réalité. Ce phénomène, vous le connaissez déjà avec le son. On l'appelle l'effet Doppler. Waouh ! Quand il y a un véhicule qui vient de loin, qui s'approche, puis qui s'éloigne, son son passe de l'aigu quand il s'approche au grave quand il s'éloigne. On peut même faire l'expérience en vrai avec ce curieux objet, qui est un tuyau vide, il n'y a rien dedans. Enfin si, il a une petite forme spéciale, il a des ondulations. En le faisant tourner, on produit un son qui est dû à l'écoulement de l'air, qui est la conséquence de la force centrifuge qui sera due à la rotation du tuyau. On produit un son, on peut produire des sons variés, mais le son que je vais entendre moi, qui suis au centre du tuyau qui tourne autour de moi, va être différent que celui que vous allez entendre. Expérience. Vous devriez entendre un son modulé en fréquence, qui n'a pas une fréquence constante. Est-ce que c'est le cas ? Ah, ouf, la physique fonctionne. Vous entendez un son modulé en fréquence, pas un son... Vous entendez... Et oui, quand la partie du tuyau qui émet le son s'approche de vous, le son sera plus aigu. Quand il s'éloigne de vous, il sera plus grave. Aigu, grave. Mais en rond, si j'ose dire. Je ne sais pas s'il sait le faire, le musicien. Oui, il sait le faire. On ne va pas lui demander en direct. Cet effet Doppler sur le son se produit aussi sur la lumière. On l'appelle alors l'effet Doppler fiso. Et donc, c'est jamais représenté dans les films, mais on devrait, dans une fusée extrêmement rapide, dans Star Wars ou dans d'autres films, on devrait voir des couleurs des astres qui changent, éventuellement qui passent dans des longueurs d'onde invisibles à nos yeux, si la vitesse est très grande, qui changent par rapport aux astres tels qu'on devrait les voir. Ah voilà, magnifique. Magnifique. Troisième effet, la direction des sources de lumière change quand on se déplace. Là, je suis fixe sur la scène, fixe surtout par rapport à cette source de lumière qui est au-dessus de moi. Alors, elle est à distance finie. Imaginons qu'elle soit à l'infini, que ce soit une étoile très lointaine. Elle est dans cette direction. Maintenant, je me déplace par rapport à l'état que j'avais initialement. La même source de lumière, je la verrai dans une autre direction. Ce phénomène, on l'appelle l'aberration des angles. Il a été découvert en 1727 par James Bradley, alors avant la relativité restreinte d'Einstein, mais il en a vu la version simplifiée, la version approximée de cette aberration des angles, et il en a déduit que c'était la preuve physique de la révolution de la Terre autour du Soleil. Il a fallu attendre presque 130 ans, disons un peu plus, entre Copernic, Galilée, Kepler et James Bradley pour avoir la preuve physique de la révolution de la Terre autour du Soleil. Alors, cet effet d'aberration, il est très souvent mis en scène. Par contre, quand les vaisseaux se mettent à accélérer brutalement, par exemple dans Star Wars, vous avez tous vu dans Star Wars, quand le Faucon Millennium commence à partir, ils branchent le moteur, ils partent, et qu'est-ce qu'on voit ? Les étoiles qui étaient là, le fond stellaire, on les voit qui passent sur le côté. Le vaisseau va à fond et hop, les étoiles passent à côté. Exactement comme ça. Alors la réalité est un peu différente. Et ça se calcule. Ça se calcule et ça se simule. Mon collègue astrophysicien Alain Ruaz-Vello, à l'Institut d'astrophysique de Paris, a simulé des images du ciel, première image, telle qu'on le verrait sur Terre. Et cette image va se transformer. On est en train de partir de la Terre et d'accélérer pour atteindre 99% de la vitesse de la lumière en direction du centre de l'écran et du film qui va vous être projeté. Et regardez ce qu'on voit. Je vous laisse d'abord découvrir. Voilà ce que l'on verrait du ciel en se dirigeant à une vitesse de plus en plus grande. Dirigez votre vitesse très exactement vers le centre de l'écran. Le film va jouer en boucle, il dure 12 secondes. D'accord, vous passez de 0 fois la vitesse de la lumière, première image, à 99% de la vitesse de la lumière, à cette image, la dernière image. L'impression que cela donne, très curieuse, c'est que des étoiles rentrent dans votre champ visuel, vous avez l'impression en fait, de reculer par rapport au champ d'étoiles vers lequel vous vous dirigez à très grande vitesse.
Ça, c'est un effet de l'aberration. Des étoiles qui n'étaient pas dans votre champ de vision rentrent dans votre champ de vision. Deuxième effet dû à l'aberration des étoiles qui apparaissaient brillantes, comme des étoiles, des petits points brillants sur le fond du ciel, vont devenir de plus en plus brillantes. Une source lumineuse qui émet sa lumière par rapport à vous, si elle est fixe par rapport à vous, de la même façon dans toutes les directions de l'espace, si vous regardez maintenant la même source déplacée à grande vitesse par rapport à vous, vous aurez l'impression qu'elle émet sa lumière préférentiellement vers l'avant et très peu vers l'arrière. Autrement dit, une source qui se dirige vers vous, non seulement elle sera plus bleue, l'effet Doppler physeux, mais elle sera plus brillante. Une source qui s'éloigne de vous, non seulement elle sera plus rouge, toujours l'effet Doppler physeux, mais elle sera moins brillante que si la source était fixe par rapport à vous. Bon, ça ne facilite pas la navigation interstellaire aux étoiles, hein, d'accord ? Quand toutes les étoiles du ciel se rassemblent dans une grosse patate brillante, éventuellement invisible à vos yeux parce que passée dans le domaine des ultraviolets, vous comprenez que ce n'est pas facile de faire de la navigation interstellaire à vue. Alors, un autre, ce ressort du temps élastique, de la dilatation des durées, le premier que nous avons vu, c'est l'effet de vitesse relative entre les observateurs. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Mais la gravitation a aussi un effet sur la mesure des durées. Et ça, on le voit dans Interstellar. Je peux faire un crochet autour de cette étoile à neutrons pour décélérer. Non, c'est pas ça le souci. C'est le temps. La gravité de cette planète va ralentir notre horloge par rapport au temps terrestre, de façon radicale. Annoncez la couleur. Eh bien, chaque heure passée sur cette planète équivaudra à... cette année sur notre vieille Terre. Non, là, je... Une heure sur la planète, sept années sur Terre. C'est le ressort du film. C'est un ressort extrêmement important du film, cet énorme écart, cette énorme dilatation temporelle entre la planète et la Terre. Et pourquoi il y a un aussi grand écart? Cette planète est en orbite autour d'un trou noir géant qui s'appelle Gargantua. Alors comment comprendre cette dilatation gravitationnelle des durées? Eh bien, après avoir publié sa relativité restreinte en 1905, Einstein publie en 1915 sa théorie de la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation. Et dans cette théorie de la gravitation, il la fonde sur un élément extrêmement important qui s'appelle le principe d'équivalence ou l'universalité de la chute libre. Lâcher simultanément dans des champs de pesanteur, dans un champ de pesanteur, des objets différents tombent de la même façon. Regardez, c'est impressionnant. Une boule de bowling et une plume d'autruche lâché dans le vide d'une énorme pièce qui sert à tester les satellites de la NASA, tombe exactement en même temps. Exactement. Ils n'ont ni la même masse, ni la même composition. Imaginez-vous assis sur la boule de bowling, regardant les plumes d'autruche, quelle impression auriez-vous? Les plumes d'autruche sont fixes devant vous, vous tombez en même temps que les plumes d'autruche, elles sont fixes devant vous, vous avez l'impression que la pesanteur a disparu. Vous êtes en chute libre, vous avez l'impression que la pesanteur a disparu. Vous êtes en impesanteur. S'il est possible d'effacer la gravité, c'est, d'après les mots même d'Einstein, l'idée la plus heureuse qu'il ait eue de sa vie. En chute libre, j'aurai l'impression que mon poids a disparu. Eh bien, si il existe des référentiels particuliers où vous pouvez effacer la gravité, Einstein montre que la gravité peut être interprétée non plus en termes de force entre objets massifs qui s'attirent mutuellement, comme dans la théorie de Newton, mais est interprétée cette fois-ci en termes de déformation de l'espace-temps, déformation imposée par la présence des corps qui s'y trouvent. Et cette déformation de l'espace-temps, elle déforme l'espace-temps. La mesure des durées va dépendre de l'endroit où vous êtes, va dépendre de l'intensité de cette déformation. Grande déformation, grande courbure de l'espace-temps, grande gravité, petite déformation, petite courbure, petite gravité. Les horloges au sol ne mesurent pas les mêmes durées que les horloges en orbite.
Et même avec les horloges atomiques modernes, les horloges au sol et les horloges sur cette table, un mètre au-dessus, ne mesurent pas les mêmes durées. Et on sait, regardez le très petit écart que ce chiffre en millionième de milliardième de seconde, on sait le mesurer pour un mètre de décalage. Dans le cas des satellites de géolocalisation, le GPS, le Galiléo, le Beidou chinois ou le GLONASS russe, l'avance des satellites est de 46 microsecondes par jour, à cause de la différence d'altitude, 46 millionièmes de seconde par jour. Ces satellites sont en mouvement autour de nous, avec une vitesse qui est de quelques kilomètres par seconde. Il faut aussi tenir compte de la dilatation des durées de la relativité Einstein, de la relativité restreinte. Ça leur donne un retard de 7 microsecondes par jour. Au final, les satellites en orbite autour de la Terre contiennent des horloges atomiques, satellites de géolocalisation, qui avancent par rapport aux horloges terrestres de 40 millionièmes de seconde par jour. Si cette avance n'est pas compensée, la précision du positionnement par satellite se dégrade de 12 km par jour. Autrement dit, vous n'en faites pas un système de géolocalisation. La relativité générale, elle est intégrée très intimement dans le fonctionnement même des systèmes de géolocalisation actuels. L'invariance de la vitesse de la lumière, la dépendance des mesures de durée à la vitesse relative et à l'altitude, dépendance cinématique, dépendance gravitationnelle, sont directement implémentées. Alors, dans les cas extrêmes, un trou noir, eh bien, là, une représentation du trou noir d'Interstellar, dans le cas extrême d'un trou noir, cette dilatation est vraiment extraordinaire. Le trou noir déforme l'espace-temps au point que même la lumière ne peut s'en échapper. C'est ça la définition d'un trou noir, la définition d'Einstein d'un trou noir, enfin, à la mode Einstein. Un trou noir classique, sa définition, ce serait un astre dont la vitesse de libération, dont nous parlions tout à l'heure, est égale à la vitesse de la lumière. Au lieu d'être 11,2 km par seconde, 300 000 km par seconde. Si la Terre devait être un trou noir, si sa vitesse de libération, au lieu d'être 11,2 km par seconde, était 300 000 km par seconde, il faudrait pour cela que l'intégralité de la masse de la Terre soit concentrée dans une bille de 9 mm de rayon. Dans Interstellar, on représente magnifiquement ce trou noir. Regardez. Le voilà, dans le lointain, vu par le hublot. Rien ne s'échappe de cet horizon. Pas même la lumière. Pas même la lumière ne s'échappe. Mais il n'y a pas moyen de la voir. Et le trou noir que l'on a vu, c'est le trou noir et beaucoup de lumière autour. Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? C'est pas juste un rond noir sur le fond du ciel, un rond très très noir sur le fond du ciel un peu lumineux à cause des étoiles. Eh bien cette lumière qu'on voit autour, c'est un disque de matière qui est en orbite autour du trou noir, qui spirale et tombe sur le trou noir. Cette matière est échauffée par sa chute et devient brillante parce qu'elle est chaude. Mais que manque-t-il sur l'image que nous avons vue ? Que manque-t-il ? On a une luminosité intense, mais à peu près uniforme sur le disque de matière qui entoure le trou noir. Mais on a vu que de la matière rapide par rapport à nous apparaîtra plus bleue ou plus rouge selon qu'elle s'éloigne ou s'approche de nous. Qu'elle s'approche ou s'éloigne de nous. Et que sa luminosité variera à cause de l'aberration des angles. Et bien dans le cas du trou noir, ce disque de matière qui tourne, et bien la partie, par exemple, la partie gauche s'éloigne de nous, c'est la partie du disque qui rentre dans l'écran, et la partie droite s'approche de nous, c'est la partie qui sort de l'écran, comme mon tourniquet tout à l'heure. La partie qui s'éloigne de nous devrait apparaître à nos yeux plus rouge qu'elle n'est en réalité, et moins lumineuse, tandis que la partie qui s'approche de nous, la partie du disque qui s'approche de nous en tournant autour de trou noir, devrait apparaître plus bleue et plus lumineuse. Et on voit que dans le film de Christopher Nolan, il n'y a pas ces effets. Ces effets ne sont pas représentés. La déformation de l'espace-temps due à la présence du trou noir qui déforme l'image que l'on se fait du disque est tout à fait bien représentée, et même parfaitement bien représentée. Par contre, il a omis volontairement, Nolan s'en est expliqué pour des raisons esthétiques, il a omis volontairement les aspects plus subtils d'effet Doppler physio sur la lumière et d'aberration des angles dus à la rotation rapide de cette matière autour du trou noir.
Alors, l'idée que l'espace-temps est déformé par la présence de masse, ça c'est important si on veut comprendre un certain nombre de choses dans l'univers, mais c'est aussi important si on veut imaginer des nouveaux moyens pour se déplacer dans l'espace. Quand on veut aller vite d'un point à un autre, on dit on veut y aller vite, mais ce qu'on veut en réalité, c'est pas vite qu'on veut aller. Quand on veut aller à Marseille, vite, c'est pas à 500 km par heure qu'on va y aller. Ce qu'on veut en réalité, c'est y aller en un temps qui est bref. C'est ça qui nous intéresse finalement. Hein? Si vous allez à Marseille à 3 km par heure, mais que ça prend 5 minutes, ça vous ira. Vous allez me dire, c'est pas possible, parce que Marseille c'est 800 km, et à 3 km par minute, je vais pas mettre 3 km par heure, je vais pas mettre 5 minutes. Oui, mais pensez maintenant différemment. Dans la pensée habituelle, la distance est fixe et la seule façon pour diminuer la durée du voyage, c'est d'augmenter la vitesse. La durée du voyage, c'est la distance divisée par la vitesse. Oui, mais dans un espace-temps qui est malléable, qui est déformable, on pourrait aussi décider qu'on va diminuer la vitesse en diminuer la distance en maintenant la vitesse. Je prends Marseille, je tire Marseille à moi en déformant l'espace-temps, je fais un pas, je lasse Marseille, me voici arrivé, à vitesse très courte, en déformant l'espace. Bon, dans le cas de Marseille, c'est pas l'espace qu'il faut déformer, c'est la Terre, et ça c'est pas facile. Mais la relativité générale admet des solutions où l'espace se déforme et permet de créer une manière de raccourci spatio-temporel entre deux points qui, sans ce raccourci, auraient été considérablement éloignés. Ces raccourcis ont d'abord été nommés ponts de Einstein-Rosen, du nom du grand physicien et d'un de ses étudiants. Et le physicien américain John Wheeler les a nommés plus tard « trous de verre », par analogie avec les trous que les vers creusent dans les pommes. Regardons d'abord ce que nous en dit Interstellar. Il n'est pas la peine de postillonner. C'est une sphère. Évidemment, tu croyais que ce serait un simple trou. Non, c'est juste que j'ai vu un tas de graphiques et tout. Sur les graphiques, ils veulent montrer comment ça marche. D'après eux, si tu veux aller d'ici à là, et que c'est trop loin, hein, alors un trou de verre courbe l'espace comme ça, ce qui te donne un raccourci vers une dimension supérieure. D'accord ? Alors pour l'illustrer, ils ont figuré un espace en trois dimensions, en deux dimensions, ce qui nous donne un trou de verre en deux dimensions. Un cercle. Et c'est quoi un cercle en trois dimensions ? Une sphère. Ouais, tout juste. Un trou sphérique. Voilà, ce qu'on voit d'Interstellar, c'est un trou sphérique, l'équivalent tridimensionnel du trou de verre qui a été représenté sur le diagramme du haut et du trou de verre qui est en train d'être dessiné par Eve sur le diagramme du haut maintenant. Pour aller d'un point à un autre de la surface de la pomme, l'espace c'est la surface de la pomme, le verre traverse la pomme, pas pour aller plus vite, sans doute pour manger la pomme, au final, il traverse la pomme plus vite que s'il était passé par la surface extérieure. Donc, cette idée qu'on puisse se déplacer en déformant l'espace, elle est directement conséquence de la relativité générale d'Einstein, cette théorie de la gravitation d'Einstein. Un deuxième extrait d'Interstellar nous montre le trou de verre, où on le voit mieux. On va mieux voir ces détails, notamment ce qu'on voit à travers ce qu'il y a de l'autre côté du trou de verre. Il y a une astuce pour ces cas-là, Doyle ? Saut dans l'inconnu. Regardez, il y a des déformations sur les bords, on voit des galaxies, on voit des objets qui sont en fait des galaxies situées de l'autre côté de la lumière qui traverse le trou de verre, dans des galaxies ou des objets très lointains vers lesquels va aller le vaisseau des voyageurs dans Interstellar et qui leur permet d'atteindre des distances extraordinaires en des temps raisonnables, en tout cas avec les moyens du petit vaisseau dont ils disposent. Alors cette idée qu'on puisse déformer l'espace, enfin, faire un vaisseau qui va voyager en déformant l'espace, c'est une idée qui a été creusée en 1994 par un physicien mexicain qui s'appelle Miguel Alcubiel et ensuite qui a été détaillée par d'autres, par un russe qui s'appelle Krasnikov et d'autres encore. L'idée de contracter l'espace devant soi pour finalement créer une sorte de trou gravitationnel vers lequel on va tomber et on peut montrer que simultanément il faut dilater l'espace derrière soi. Si simultanément vous contractez l'espace devant et dilatez derrière,
vous allez vous déplacer dans la direction de cette ligne, disons, de contraction-dilatation. Alors, contracter l'espace, on sait ce qu'il faut faire. Il faut mettre de la matière. Et pour le contracter efficacement, il faut mettre de la matière dense, un trou noir, quelque chose qui va vraiment créer un puits important. Donc, à l'avant, c'est pas compliqué, vous manipulez un trou noir. Et à l'arrière, pour dilater l'espace. Eh bien, la même chose, un trou noir, mais fait d'une matière tout à fait exotique, dont on n'a aucune trace dans l'univers observable pour l'instant, une matière dont l'énergie de masse est négative. Toute la matière habituelle a une énergie de masse positive. Il n'y a pas l'équivalent des charges négatives en électricité. Charges négatives, charges positives en électricité. En gravitation, il y a des masses positives. C'est tout. Si vous disposez de cette matière exotique, si vous êtes capable de manipuler les trous noirs, alors vous pouvez faire un vaisseau d'Alcubierre qui vous permet de vous déplacer toujours localement moins vite que la lumière, mais de loin, un observateur lointain qui vous regarde vous déplacer pourrait avoir l'impression que vous vous déplacez plus vite que la vitesse de la lumière. Encore un de ces paradoxes dont nous gratifie sans arrêt la relativité restreinte et la relativité générale d'Einstein. Alors pour conclure, cette relativité générale, ces effets spectaculaires de la relativité générale, on sait les calculer, on les comprend. Une des conséquences, ce sont les ondes gravitationnelles qui ont été détectées directement l'année dernière. Cette théorie de la relativité générale marche très bien, on sait la manipuler avec une assez grande précision, et on peut simuler tout un tas de choses impossibles encore à réaliser en pratique. Par exemple, la chute vers un trou noir. Ça, c'est encore une petite animation qu'a créé mon collègue astrophysicien Alain Riuazuelo à l'Institut d'astrophysique de Paris, de la chute d'un observateur situé à très grande distance du trou noir qui tombe vers le trou noir et regardez ce qui lui arrive, ou ce qu'il voit. Le trou noir est au centre, c'est le petit cercle noir. On voit un cercle d'étoiles qu'on appelle l'anneau d'Einstein qui résulte de la déformation des rayons lumineux qui passent au voisinage du trou noir. Vous tombez vers le trou noir, votre vitesse qui est lisible en haut à droite augmente sans cesse, vous êtes déjà à 70 000 km par seconde. La taille du trou noir commence à remplir votre écran. À un moment donné, vous allez passer son horizon. À un moment donné, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Quand vous atteindrez la vitesse de la lumière, vous vous approchez du trou noir, vous vous approchez. Vous avez dépassé la vitesse de la lumière. Rien de spécial pour vous. Vous continuez à tomber vers le trou noir. Son disque remplit petit à petit votre champ de vision. De l'extérieur, quelqu'un qui vous voit tomber a l'impression que vous vous êtes figé au niveau de son horizon, a l'impression que vous avez atteint la vitesse de la lumière et que votre énergie est en train de tendre vers l'infini.
Voilà, merci à vous. Merci à vous. Merci. Je te serre pas la main, Patrick. Regardez, Patrick. Vos noms. Donnez vos noms. Vos noms. Fabien Fabre. Fabien Fabre, pour la musique. Pour les images. Ah, au bon titre, deux au bon titre. Le grand avec une barbe et la petite avec des cheveux. Eve Barlier. Et Patrick Lequin. Les deux artistes au tissu aérien. Danae. Noir, Yann Brouet. La narration, Roland Lehoucq.